son église flamboyante. Des orgues, sans doute les plus anciens d'Amérique latine, restaurés dans leur état d'origine. Une musique, le Anak Pacha, créé ici même au XVIIe siècle, qui mêle esthétique baroque et traditions indiennes. En ce soir du 31 octobre 2008, une grande fête fait revivre un patrimoine inestimable, né de la rencontre de l'Europe et des Amériques. À l'origine de cette aventure, des hommes et des femmes passionnés par cette musique du Nouveau Monde. C'est en Lorraine que cette histoire commence, à Sarrebourg, dans un ancien couvent. Depuis plus de 20 ans, l'équipe des Chemins du Baroque se consacre à la redécouverte de cette musique latino-américaine et à la formation de jeunes musiciens. Empezamos con un seminario de música barroca y de ahí ya contactamos con acá, con Le Cubón, con el señor Alain. Y ese seminario que hicimos en la ciudad de Itá, en Paraguay, un seminario de música barroca, fue el puente, digamos, que nosotros estuviésemos hoy aquí, en Francia. Una oportunidad realmente muy, muy importante para nosotros. Hacemos de nuevo 13. Ronda. Je fais un travail avec 5 musiciens paroïens et un chilien. Lui, il est en stage aussi par Le Cubón. Et voilà, et on va faire un programme de musique latino-américaine, de Cipoli, de Roque Chaluti, de la musique cubaine aussi. Bon, un programme en entier de musique latino-américaine. Le Cubón a fait plein de choses depuis des années. Avant de connaître Le Cubón, avant de moi de connaître Le Cubón, il savait déjà travailler énormément au Mexique, au plein pays de l'Amérique latine. Et voilà, par rapport à moi, par exemple, moi je suis là aussi, je suis partie de ce travail qui a commencé Le Cubón à Cuba. Llevó al señor Alain Paquier a la escuela de música donde yo estudio y fue así que comenzamos el camino de la música barroca. Ahora estamos siguiendo estudiando porque para nosotros es algo nuevo, es un estilo diferente a lo que nosotros estamos haciendo, pero es muy importante seguir aprendiendo y avanzando mucho más. C'est quand j'ai réussi à faire ce film sur la musique auquel je rêvais depuis très longtemps, donc tous les matins du monde, que j'ai connu la bande des Chemins du Baroque qui était déjà en cours de réflexion par rapport à l'Amérique latine. Alors on pense beaucoup, quand on parle du couvent, des choses qui font en Amérique latine, des legs qui se produisent, des gens qui forment, des instruments qui reconstruisent dans des villages ou dans des villes. Et on se dit, bon, bah alors c'est les Européens qui refont cette espèce de chemin inverse qui n'est donc pas colonisateur cette fois-ci, qui est un chemin de mémoire. Mais on oublie souvent, et à mon avis un petit peu à tort, parce que c'est aussi important, je crois, dans la tête des gens du couvent, que c'est aussi quelque chose, c'est un questionnement sur eux-mêmes, et donc sur nous-mêmes. Hein, je veux dire, on ne va pas en Amérique latine comme on va en, je sais pas, dans un lieu inconnu pour apporter la bonne parole. Je veux dire, on y va aussi pour savoir aussi qui nous sommes. Les orgues d'Andahua Elias. Vers 1620, des mains indigènes leur ont donné vie. Tuyaux abîmés, mécanismes délabrés au fil du temps. Les restaurer et retrouver leur son d'origine représente un intérêt historique et musical unique. Quoi, j'ai plus la cuvette, je voulais la dresser. C'est assez épouvantable quand on arrive et qu'on voit l'état général, mais finalement,
On redresse, hein, on met des rustines, on décabosse, et puis on est surpris à la fin de voir que dans un jeu, il n'y a que deux tuyaux neufs. Bon, alors évidemment, ça parle avec des défauts. Hein, mais... le principe que j'essaie d'adopter hein, dans la restauration, c'est tout ce qui est ancien, on reste, on garde dès l'instant où on arrive à faire marcher. Quand on n'y arrive pas, bah, on change, mais sinon, si ça marche même avec des défauts, on garde. On est en train de restaurer les deux orgues de cette église, qui se trouvent à Andahuaylas, sur les hauts plateaux du Pérou. Et le plus petit d'entre eux, qui était parfaitement conservé, a inspiré l'idée qu'on puisse en faire une copie pour le mettre dans l'auditorium du couvent Saint-Ulrich à Sarrebourg. Alors, on aurait pu faire un orgue moderne à tout jouer, mais c'est pas tellement... Le but des chemins du baroque qui recherchent l'authenticité et surtout dans la période entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En partie réalisée par les élèves du lycée professionnel de Sarrebourg, la copie du petit orgue d'Andahuaylas témoigne de cette passion pour les instruments baroques. Ici, ce n'est pas une copie conforme. Le buffet est une copie dans sa façade. Bon, il est plus profond qu'Andahuaylas. La seule chose qui soit vraiment copiée, c'est sa forme et sa peinture. Le reste, on a fait un instrument pour la musique de cette époque-là, dans ce buffet en copie. La restauration des orgues, c'est très intéressant, mais c'est un prétexte à faire tout un tas de choses derrière, qui moi, ne me concernent pas directement. Je suis qu'une petite partie du grand projet. Tiens, on va faire comme les organistes espagnols qui commencent le concert avec une petite merde, un petit tapadillo comme ça. Très bien, très très bien. C'est un jeu que je peux entendre. François, il est quand même doué. Hein. C'est vraiment un de nos facteurs d'orgue les plus doués. Et puis les petits gars du lycée, ben, ils sont pas cons non plus. Hein. Vraiment, ils ont bien travaillé. Et puis les décorateurs aussi, ils se sont bien démerdés. Hein. Ça alors, c'est formidable. J'espère que tout le monde est content au couvent. Bon. Il y a des récriminations, non ?
La trompette a besoin encore d'un petit peu de... Mais elle a bien un style un peu rugueux comme ça. On va grogner un peu plus dans les basses. Ça va ? Bonsoir Francis. Félicitations. Merci. C'est très très bien. Très bien. La musique baroque, c'est vraiment un prétexte à des rencontres. C'est pas simplement un geste esthétique. Le but des chemins du baroque, c'est pas simplement de prendre des vieilles partitions et sous prétexte qu'elles ont été écrites au 18e, de les faire jouer. Le but, il n'est pas purement esthétique, il va bien au-delà. Il y a un but social, il y a un but économique, il y a un but de développement de ces pays autour d'une thématique qui est assez peu utilisée généralement, ou dont on parle peu. Pour ce qui concerne la coopération internationale, par exemple, on parle plutôt du haricot, on parle plutôt de l'eau, du traitement des eaux usées, assez peu de la musique. Ce qui fait d'ailleurs qu'en termes de financement, c'est jamais simple, parce qu'on ne sait pas trop où on nous caser. Est-ce qu'on fait du culturel? Est-ce qu'on fait de la coopération? Est-ce qu'on fait du social? Est-ce qu'on fait de l'esthétique? Mais en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt du geste des chemins du baroque depuis une vingtaine d'années maintenant. Plus de 20 ans. Des environs, il y a environ 20 orgues autour de Cusco. Oui, oui. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Dans cette zone-là, ça a été bien protégé. C'est la même chose que sur l'altiplano de Bolivie, où on a trouvé une vingtaine d'orgues aussi, dont certains complets, mais vraiment complets, qui ne demandent seulement une restauration, mais qui va les jouer. Nous, on est latino-américains et on ne connaît pas du tout la musique qu'il y a dans les archives chez nous. Les Péruviens, par exemple, ne savent pas qu'il y a un énorme archive à Cusco, qu'il y a des archives partout, qu'il y a plein d'églises, qu'il y a plein des instruments très, très importants. Et ça qui fait le couvent, précisément, c'est de découvrir ça. Venez, il y a ça chez vous, il faut que vous jouiez, il faut que vous connaissiez votre musique. Et ça, c'est très, très bien. Mais il y a pas assez, il faut quand même que les deux orgues soient ensemble. Ah ben oui, non, les deux orgues, il faut qu'ils soient impeccables ensemble, comme à Cusco. Et que c'est bien fait, et que c'est bien soudé. Ceci dit, un truc qui va être sympa, c'est de faire les... C'est des gens qui ont besoin de musique, une envie de musique, de créer des sons nouveaux, mais qui sont aussi sur une sorte d'utopie. Hein, c'est-à-dire que... Mais je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. L'utopie étant de recréer une sorte d'espace musical, moral, ou presque politique, je dirais. Hein, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là. Qui déborderait les frontières de l'Europe et qui ferait prendre conscience aussi bien à certaines parties du monde latino-américain, mais aussi aux Européens, de ce que pouvait être cette période, et donc une grande partie de l'identité de ce que eux sont et de ce que nous sommes aussi dans ce 21e siècle.
Nous sommes avec des musiciens qui viennent du Paraguay, qui viennent du Chili évidemment, qui viennent du Pérou, qui viennent de Colombie, qui viennent de Cuba et qui viennent de France. Voilà, donc c'est la première fois qu'on réunit tous ces musiciens avec lesquels on travaille, tous ces musiciens qu'on forme, dans chacun des pays que je viens de nommer. C'est la première fois qu'on les réunit tous ensemble dans un pays d'Amérique latine. Ici, c'est l'esprit de la rencontre, d'abord. C'est un esprit qui n'est pas eurocentré, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de faire en Europe des activités en faisant venir des latino-américains, mais c'est faire découvrir aux latino-américains eux-mêmes leur propre continent. C'est donc d'aller former des jeunes musiciens latino-américains sur le répertoire de la musique baroque et aussi sur la flûte à bec et sur le cornet à bouquin. Et plus particulièrement ici, sur le cornet à bouquin, la musique d'ensemble et l'improvisation. Et le pari, c'est en 7 jours de monter une heure de musique pour faire un concert, mais aussi de les former, de les faire se rencontrer, de faire beaucoup de musique ensemble, de lire de la musique, de faire des choses diverses et variées qui vont toutes dans le même sens de la musique ancienne. Ahora que estamos juntos, cuando vamos a estar separados, va realmente a ser muy difícil esto. O sea, nosotros nos sentimos más bien latinos en el sentido de la palabra, en cuanto a muchas cosas, pero también, o sea, la diversidad de culturas y la influencia que hubo en cada país también. O sea, diferencia un poco nuestra forma de ser, pero básicamente es la misma actitud que yo pienso que sentimos en la música ahora cuando estamos tocando todos. Todo lo que vamos aprendiendo aquí, por lo menos en nuestra escuela, lo vamos haciendo con los jóvenes y yo creo que ahora somos muchos más allí porque ya tenemos un grupo un poco más grande, el cual con el que estamos trabajando. Y empezamos a hacer algunas presentaciones allí en Paraguay. Esa es la idea, adquirir conocimientos y a la vez transmitirlos otra vez en sus comunidades, en sus ciudades, en su país. Nosotros por lo menos ahora estamos empezando de a poco, estamos ya trabajando con chiquitos, entonces creo que la cadena aún no se va a romper por mucho tiempo. J'ai toujours pensé, moi, que ce qui manquait, très souvent, hein, dans le renouveau baroque européen, je dirais, très, 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 très ethnocentrique, c'était cette espèce d'ouverture à une pratique quotidienne, non professionnelle, humaine, vraiment à ras de terre, je veux dire, de la musique. Parce que la musique, elle n'est pas réservée aux gens qui ont fait 6 ans d'académie. Je veux dire, la musique, elle est à tout le monde. Et c'est vrai que, bien souvent, quand on entend des messes de village ou des choses comme ça, tels que le font revivre les chemins du baroque, on a, parce que ce sont des gens qui ont peu d'éléments structurants d'école, on a des gens qui sont beaucoup plus amenés à jouer cette musique-là de la manière dont il le faut, avec cœur, même si c'est pas parfait techniquement, loin de là, je veux dire. Mais en tout cas, c'est cette manière-là dont il faut la jouer.
moi je trouve toujours très important de faire de l'improvisation, tout simplement parce que quand on est un groupe de musiciens qui ne se connaissent pas, c'est sûr que le mieux c'est vraiment de jouer ensemble et de développer des choses que personne ne sait faire ensemble. L'improvisation de la musique ancienne, ils prennent quelque chose, enfin ils savent que ça peut leur servir aussi par rapport à leur musique à eux et par rapport à leur manière d'improviser dans leur culture et dans leur musique à eux. C'était un très grand changement. J'avais abandonné la musique pendant 3 ans. Je pensais même plus refaire de la musique, rien à voir. Et tout à coup, il y a Jennifer qui se pointe au Paraguay pour le stage de musique baroque et tout. Et j'y suis allé. Et tout à coup, on part en France, tout. Après, Andahuay Lillas. Donc maintenant. Ouais, je faisais des études de droit, j'aimais pas le droit, ça me faisait chier. Et oui, maintenant j'ai arrêté et je recommence la musique. Ouais. Pour moi, ça fait 6 mois que j'étais en train d'attendre ce moment-là. Et franchement, c'est super. C'est comme un rêve qui se fait réalité. Il y a un enthousiasme, une énergie très très grande. Une curiosité super, super intéressante, je veux dire, sur le phénomène de la musique baroque, sur la période baroque. Ils sont vraiment de musiciens modernes, on dirait, avec ces instruments modernes, super doués. Il y a pas mal de matériel. Mais par contre, il y a aussi une faiblesse, je veux dire ça, dans le fond. Ça veut dire dans leur culture musicale. Ils ne connaissent pas beaucoup de l'histoire de la musique, la théorie de la musique à cette époque-là. Mais c'est une chose qu'il faut travailler. À la Bandera, nous allons réunir tous les musiciens que nous formons actuellement dans les sessions de travail, dans les ateliers ici à Santiago, avec un chœur local, un chœur chilien. Et puis, il s'agit de faire une gigantesque fête musicale, baroque, un grand concert dans ce quartier qui n'a pas l'habitude d'en recevoir. Et c'est un concert qui sera principalement dédié, réalisé pour la population locale de ce quartier éloigné et dangereux, entre guillemets, de Santiago de Chile. Thank you.
estábamos como los que tocaron en el concierto, los músicos y el público, pero ahí éramos todos casi sí, lo mismo. Todo un solo grupo. Era un solo grupo. El cariño de la gente, lo que nos brindaron, los niños, todo fue muy bueno. ¿Ya salieron ya de Lima así por la música? Bueno, como nosotros hemos salido de Lima, supongo que individualmente en algún momento, ¿no? Como delegación, así como hemos venido ahora, no nunca, es la primera vez. Pero sí, creo que cada uno tiene una experiencia diferente viajando por la música, dentro del país y fuera también. ¿Escuchaba usted antes? Sí, claro, sí. Sí, yo lo conocía desde... Sí, desde niño, más o menos. Yo cantaba en un coro antes, sí, en el Coro Nacional de Niños de Perú. Y ahí hicimos Hanna Pacha como en 50 versiones. Sí, o sea, era primero una voz, después a dos voces, después, tres, después a las cuatro voces, después con instrumentos, con... Pues, sí, es una obra más o menos sí, bastante conocida, sí, para nosotros. Al comienzo un poquito difícil aprenderse las notas de memoria y todo, pero cuando te aprendes todo, luego ya va surgiendo fácil y lo haces en salsa, en reggae, en todo lo que sale. No, más nosotros en Perú, los trombones, ya habíamos tocado Hanna Pacha, algo así similar. Teníamos un recital, recuerdo, y entramos también así como en procesión, ¿no? Dos grupos y algo similar y también de memoria. Retour, cet apparent retour arrière, est quelque chose qui permet de réinvestir la diversité culturelle, de dire voilà, vous êtes comme ça aujourd'hui parce que vous étiez comme ci, comme ça, parce qu'il y a eu tel rapport avec l'Europe, parce qu'il y a ça. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez mieux que vous êtes riche de quelque chose que les autres n'ont pas. Les autres sont riches d'autre chose que vous n'avez pas, bien sûr. Hein. Il n'est pas question de supériorité ou d'infériorité, mais il est question de faire prendre conscience de ça, des spécificités et de la diversité. C'est dans ce village, à 3200 mètres d'altitude, proche de Cusco, l'ancienne capitale inca, que se retrouvent tous les jeunes musiciens. Il reste quelques jours avant le grand concert. Dernière répétition, nouvelle rencontre. Los colombianos llegan mañana.
Sergio Portilla en López, mañana. No, o sea, déjate. Luna cu. Matsuya cui. Alors, la musique baroque latino-américaine, il faut parler du siècle, de dire que c'est la colonisation, l'évangélisation. C'est pas une musique pure, quoi, dès le départ, aussi bien dans les intentions que dans le résultat. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est une musique qui a recherché le métissage pour des besoins de propagande, faut jamais l'oublier. Voilà. Mais qui a recherché le métissage. Or aujourd'hui, ce métissage est quelque chose de précieux. Voilà. Et on ne l'entend que là-bas. Voilà, c'est ça la musique baroque latino-américaine, c'est tradition occidentale et tradition indienne, voilà, mêlée, entremêlée, voilà, qui fait que les Indiens peuvent chanter cette musique avec leur truc à eux, et cette musique peut s'adapter à la façon de chanter des Indiens, voilà, et à la façon de faire de la musique aussi. Bueno, chicos, chicas. Estos órganos han sido construidos poco después de la construcción de la iglesia y pensamos que serán de los años 1610 en 1620. Sabemos que organeros españoles vinieron aquí en el siglo XVI y que formaron al arte de la organería indígenas. Y sabemos que si hubo algún español, son los indígenas que han hecho estos órganos, que tienen huellas de la factura española, pero en realidad que tienen un toque realmente indígena. Qu'est-ce qui fait la magnificence de l'Amérique latine, du colonial, je veux dire, de l'époque, c'est effectivement cette espèce de mariage entre les arts locaux et les arts européens. Ça, je pense que les chemins du baroque permettent, en faisant entendre les sons de l'époque, donc de remettre dans l'espace et dans le lieu, permettent de mieux comprendre même ce qui se passe dans cette culture religieuse qui leur appartient alors totalement. Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, donc quand on dit mais c'est quelque chose qui... leur appartient peut-être plus, etc. Ah, si, c'est leur univers quotidien. Quand ils vont à la messe, quand ils vont machin, ils connaissent ça par cœur. C'est quelque chose avec lequel ils ont une familiarité immédiate. Donc il n'y a pas de raison qu'en poussant un petit peu la porte, il n'y ait pas une familiarité identique avec les musiques de l'époque. Voilà. Simplement, la musique, évidemment, elle a disparu des édifices. Donc il faut la faire revenir. Voilà. Vraiment, j'ai été très, très émue en arrivant dans ce petit village de campagne au milieu des montagnes et en arrivant dans cette église fantastique, quoi. Pour l'instant, on se repose, on prend nos marques par rapport à l'altitude. Et à partir de ce soir, on va rencontrer des enfants. Donc ça va être aussi quelque chose. On a déjà entendu les répétitions hier avec Jennifer. Et donc, à partir de ce soir, on commence à travailler avec les enfants. Il y a encore d'autres musiciens qui ne sont pas arrivés, donc on les attend aussi.
Et voilà, donc tout va se mettre tranquillement en place d'ici demain. Estamos aprendiendo y compartiendo ideas de diferentes culturas. Que todo el mundo aprendemos cosas de los paraguayos, como ellos aprenden de nosotros. La energía que se maneja es muy buena y tocar al lado de ellos es un orgullo para nosotros, porque mucha gente en Colombia no tiene la oportunidad de salir a otros países e intercambiar música con otras personas. Entonces es muy bueno y se siente muy bien. En Colombia estamos acostumbrados a música folclórica, a música muy de fiesta, muy alegre. Sí. Y venir acá es como totalmente diferente porque es como música muy elegante, música muy seria. Entonces es un cambio muy radical. Faire faire des instruments par des luthiers en Bolivie ou faire chanter des enfants, etc. Ça n'a rien à voir avec former une chorale ici, créer des académies, faire des conservatoires de Viol-le-Gambe. Hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que ce qui est l'utopie qui est au couvent, c'est d'aller vers des gens qui n'ont pas demandé. Voilà. Qui n'ont pas demandé. Et leur dire, ben voilà. Voilà, en fait, vous allez pouvoir demander si vous entendez et si vous créez vous-même, à ce moment-là, vous allez le demander. Voilà. Antes de trabajar conmigo la pieza, ¿ustedes habían cantado esta pieza en algún lugar? ¿Conocían la pieza? No. ¿No? ¿Tú la conocías? En el Corpus Christi han cantado. ¿Y tú la cantaste? No. ¿Ustedes saben por qué cantamos exactamente esta canción? Es Hanak Pasha. Porque se va a inaugurar el órgano. Se va a inaugurar el órgano de acá del templo. ¿Y esta canción? ¿Por quién fue compuesta esta canción? Por Juan Pérez de Bocanegra, nacionalidad española. Ajá. ¿Y Juan Pérez de Bocanegra quién era? El primer párroco de acá, de Andahuaylillas. Siglo XVII, por los años 1630. Exactamente. ¿Y ustedes comprenden bien el texto que dice la pieza? Sí. ¿Ustedes sí hablan quechua o no? Sí. Sí, hablamos. Perfectamente. O sea, ustedes comprenden bien el texto que dice. Sí. De hecho, ¿qué quiere decir Hanak Pasha? El cielo y la tierra. Ajá. ¿Y de qué habla en sentido general la pieza? Que el cielo y la tierra están felices y que... O sea, las personas del cielo y la tierra se sienten alegres. Alegres. Oye, categoría lechones. Están llamando. Okay.
muy bien. Bueno, se puede también que una tecla pega y que se pasa aquí. Alors, se puede que están la. Por ejemplo, si hago esto, pega. Voilà, si lo. Alors, es lo mismo, pero al contrario. On n'a jamais eu de souci avec l'entretien après qu'on soit passé avec ce petit cours de pas grand-chose, mais qui permet de résoudre la plus grande majorité des problèmes. Quoi. C'est le cornement, l'accord des hanches, une fois qu'on a vu ça. Puis les orgues sont quand même simples dans leur principe. On va prendre celui-là, ici, en fait, les orgues sont fragiles parce que ils sont vieux, tout est un peu à la limite de tout, ça frotte un peu, etc. Et le risque est là. Le biseau, c'est la pièce qui est là. Tu vois? Ok. Bon, mais verificado, pero. Se puede pasar. L'étape où on est maintenant, c'est celle qui trompe le plus, parce qu'il y a toute la joie de la restauration, il y a des événements publics, il y a des autorités qui viennent visiter le village, rendre visite au village. Et il y a trop d'explosions autour de cet événement. Évidemment, le plus difficile, c'est après. C'est comme un mariage. Le premier jour, c'est l'explosion. Après, il faut l'entretenir. Ici, il faut élaborer un plan, un projet qui soit très intelligent, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte d'énergie, hein, que ça ne se dilue pas. Tenemos previsto poner en valor, en uso, los órganos y generar y hacer de Andahuaylillas de aquí a 3 años, pues como un centro cultural, organológico, que pueda captar la atención de la academia iberoamericana sobre todo, pero y también local. No se trataría solamente de que los órganos funcionen, se trataría de que el templo de Andahuaylillas, o sea, pudiera servir de un centro cultural de música barroca andina como de otras expresiones. C'est presque comme un film, hein, de se dire, ben voilà, on va recréer cet orgue-là, on va amener des organistes, on va retrouver des musiciens là-bas, et on va faire revivre cette petite église dans la tradition du chemin du baroque, voilà, en utilisant les partitions d'époque, des improvisations d'époque éventuellement, et voyons comment les gens de là-bas vont éventuellement se l'approprier, voilà. Este es el momento solemne de la bendición de los órganos. Es una bendición dialogada. Yo rezaré algunas oraciones y los órganos van a responder. Despierten órganos, instrumentos sagrados. Ustedes entonarán la alabanza de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre.
instrumentos sagrados, ustedes proclamarán el amor a Dios, nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Leur re-ramener une tradition musicale oubliée, mais qui faisait partie de leur histoire parce qu'ils étaient partie intégrante, c'est-à-dire que ces partitions n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas eu la culture indigène, leur ramener ça, c'est aussi amener à nous une façon de jouer cette musique qui est la nôtre aussi, et qu'on avait complètement oubliée. Voilà. Donc ça rejaillit forcément sur la perception musicale qu'on a de cette époque, mais on a la musique baroque dans le sens large, et de se dire, ah bah oui, il y a une autre manière de la jouer. Là-bas, ça va être important de voir ce qui se passait. Et puis ici, est-ce qu'ici, c'est, la résonance va pouvoir être forte aussi? Parce que sinon, ça n'a pas lieu. Si c'est uniquement dans le village là-bas, ça n'a pas lieu. Il faut qu'il y ait aussi une résonance ici. Il faut que cette mission qui a été accomplie soit comprise ici, écoutée, entendue, que l'héritage se fasse, qu'on se l'approprie nous aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier cette partie-là non plus.
c'est vrai que c'est un événement, voilà. Et puis après, est-ce que la poussière va retomber ou pas? Ça, c'est la question, mais c'est la question qu'on peut se poser sur toute la trajectoire. Ce qui ne retombera pas, c'est qu'il y a eu enregistrement, donc il y a eu trace, il y a eu quand même quelque chose qui a été foutrement dérangé, dans le bon sens du terme, dans le village. Donc, même si le pourcentage de gens qui vont être transformés est minime, ça valait le coup.